La bienveillance, c'est le simple fait de veiller au bien commun. Et quand je dis le simple fait, c'est pas toujours facile précisément parce que c'est un univers d'entreprise, entre autres, puisqu'on parle de la bienveillance en entreprise, qui en général n'a pas recours à la bienveillance. On a plus tendance à être tourné vers l'économie et l'organisation plutôt que la relation humaine et la bienveillance. Donc la bienveillance pour moi, c'est vraiment veiller au bien. Alors c'est un peu plus qu'une phrase, mais c'est aussi faire en sorte de sécuriser les gens avec lesquels on se trouve par justement des comportements qui sont des comportements de gentillesse, de sécurisation. Voilà, je dirais ça comme ça de manière assez rapide, un peu plus qu'une phrase. Alors, mon synonyme de bienveillance, c'est vraiment la gentillesse. La gentillesse, et là aussi c'est assez rigolo parce que c'est un terme qu'on utilise assez peu dans les entreprises. On a en mémoire cette notion de gentillesse qui a été tournée dans des films ou des pièces de théâtre comme Dîner de con ou comme Le Père Noël est une ordure, où à un moment donné on se rappelle de la réplique de Thierry Lhermitte qui parle de Thérèse et qui dit j'ai pas l'habitude de dire du mal des gens, mais Thérèse elle est bien gentille. Voilà. Donc pour moi, la bienveillance, c'est ce vrai comportement de gentillesse qui passe par des valeurs de respect, d'humilité et de relation profonde à l'autre. On parle beaucoup d'empathie, et ce mot est complètement galvaudé aujourd'hui. J'aime bien parfois lâcher des mots qui sonnent mal en entreprise, comme la compassion et comme l'amour. Ça me paraît des choses assez évidentes. Voilà, pour moi, c'est ça la bienveillance en entreprise. Alors, je pense qu'on parle de plus en plus de bienveillance. D'abord, je suis très content qu'on en parle parce que c'est quelque chose qui montre qu'il y a un véritable changement, une vraie prise de conscience de la nécessité de comportements qui soient des comportements vraiment humains, humanistes, hein, pour lâcher le mot. Parce que je pense que, justement, on est allé très loin dans l'économie, dans le pur économique. On avait toujours tendance à opposer les mots, d'ailleurs souvent les chefs d'entreprise, ceux qui vous encadrent, vous disent qu'on n'est pas là pour faire du social, justement, qu'on est là pour des raisons qui sont des raisons économiques et que la première chose que l'on doit respecter, ce sont les objectifs financiers, les objectifs de résultats. En oubliant que pour pouvoir obtenir ces résultats, ça passe nécessairement par une mise en forme, un mode de fonctionnement dans l'entreprise, à proprement parler, dans son organisation, qui dépasse l'organisation. Et là, on touche aux valeurs humaines. Et donc, du coup, on est en train de se rendre compte que, oui, la bienveillance, entre autres, c'est juste quelque chose d'essentiel. On voit bien les taux de burn-out, d'absentéisme, toutes les problématiques humaines dans certaines grosses entreprises. On parlait, il n'y a pas longtemps, enfin, il y a déjà quelques temps, de Télécom, Orange, etc. Ça, c'était le buzz médiatique, mais il y a plein d'entreprises, effectivement, dans lesquelles, de plus en plus, on est à la découverte de cette notion, de cette nécessité de bienveillance. Elle amène juste l'essentiel. La bienveillance en entreprise, elle amène la confiance. Et quand on sait que la relation de confiance entre les gens, quel que soit leur rôle, quel que soit leur niveau de hiérarchie, est essentiel pour faire aboutir tous les projets, eh bien, je dirais que la bienveillance, c'est l'énergie essentielle à la réussite de tous les projets d'une entreprise, hein, avec l'étymologie du mot entreprise qui consiste à prendre ensemble, à entreprendre ensemble. Moi, j'ai découvert ça il y a une bonne trentaine d'années maintenant, quand j'ai commencé à m'intéresser au courant de pensée de l'école de Palo Alto aux États-Unis, à Santa Cruz, et où j'ai découvert un très très grand monsieur qui était Paul Václavic, et qui disait précisément que la relation de confiance primait sur le contenu. Concrètement, ça voulait dire que si vous aviez de l'or en barre à offrir aux gens, si vous n'aviez pas pris le temps d'instaurer cette relation de confiance qui passe par de la bienveillance et de la gentillesse, le contenu, aussi beau soit-il, même si c'était de l'or, pouvait être pris pour de la merde. Voilà. Donc moi, ça m'a sauté aux yeux, ça m'a sauté aux oreilles, ça m'a sauté à la gueule, et je me suis dit que ce n'était pas possible autrement que de gérer une équipe, quels que soient les contextes, d'entreprise, d'association, politique, de sport, en instaurant ces valeurs de bienveillance avec des savoir-faire,
qui sont véritablement des savoir-faire de communication, d'échange, de prise en compte de l'autre. Et voilà, donc c'est juste à mes yeux simplement essentiel encore une fois.